Donc on est dans la table ronde de numéro 3, donc qui parle comment les apports, quels apports la médiation, les structures intermédiaires peuvent avoir pour la structuration des filières de proximité. Donc j'ai invité 4 intervenants. Il y a Pauline Ricard qui est chargée des missions dans la plateforme agri-locale, donc on a entendu parler, il travaille notamment avec la mairie d'Avignon et d'autres, il va nous expliquer. Ensuite on est Albert Alameldino qui est le coordinateur du dispositif REGAL, donc il s'agit d'un dispositif de médiation aux Alpes-de-Haute-Provence. Agri-local, on pourrait considérer que c'est une plateforme virtuelle. Après, il y a aussi des plateformes physiques. Donc, j'ai invité Eric Gruneval, qui est coordinateur du réseau Manger Bio, basé à Valence. Donc, il nous parlera des plateformes physiques dans ce réseau-là. Et pour en conclure, on a Rosalia Filippini, qui est une économiste à l'Université de Milano, et qui va nous expliquer comment les filières de proximité se structurent dans son pays, en Italie, donc qui est soumis aussi aux lois européennes, mais qui décline ça autrement. Donc je ne m'attarde pas, je donne la parole à Pauline. Ah oui, juste Marie-Lys, elle me rappelle à juste titre, en fait, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient pris des photos, des dessins qu'elle a faites, donc elle a les droits sur ces dessins. Vous pouvez avoir une utilisation privée de ces dessins, c'est bien ça. Si vous en pensez faire un autre type d'utilisation, merci de vous adresser à elle. Alors donc bonjour, donc Esther m'a présenté, donc je ne vais pas le refaire. Donc moi je suis en charge d'une plateforme qui s'appelle AgriLocal 84, qui est ouverte dans le département depuis 5 ans maintenant. Je voulais un peu vous expliquer qui est sur cette plateforme, qui sont les acheteurs, qui sont les fournisseurs et quel est notre rôle. Donc au niveau des fournisseurs inscrits en Vaucluse, on a 184 fournisseurs qui sont inscrits sur la plateforme. Donc des agriculteurs qui sont reconnaissables sur la plateforme par des petits tracteurs, des entreprises locales qui sont les grossistes, des abattoirs, des fromageries, des artisans et des entreprises qui sont non classifiées parce qu'ils ne sont pas dans le département. Ces fournisseurs qui sont inscrits, c'est une plateforme à la base qui est faite pour les agriculteurs. Mais pourquoi on a laissé s'inscrire d'autres fournisseurs? Parce que la commande publique ne permet pas de choisir uniquement des agriculteurs. Alors, qui sont les acheteurs? Aujourd'hui, sur AgriLocal, donc, il y a 79 acheteurs qui sont référencés. 42% sont des collèges, 30% des communes, 14% des lycées. Et le reste, alors, autres, des hôpitaux, mais aussi nous, le département, quand on fait des manifestations, on achète aussi sur AgriLocal, pour avoir des produits locaux, bien sûr. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, parce que je suis partie un peu vite, peut-être, c'est qu'AgriLocal, c'est une plateforme de dématérialisation de marché public. C'est un intermédiaire entre l'acheteur qui passe un marché public virtuel, dématérialisé, et des producteurs locaux. Alors, je vous ai montré quels acheteurs sont inscrits, mais qui fait vraiment le chiffre sur AgriLocal, qui travaille le plus sur AgriLocal et fait des volumes. Alors, 60% des achats sont faits par les communes. On a vu la commune d'Avignon tout à l'heure, qui est malheureusement partie, et qui travaille beaucoup avec AgriLocal, et au vu de du nombre de leurs convives, en fait, font pas mal de chiffres. Alors, juste pour vous expliquer aussi au niveau de l'attribution des marchés depuis 2014, donc 40% des marchés sont remportés par les agriculteurs. Donc c'est plutôt des commandes événementielles, des commandes de monocommandes en fait, un seul produit. Et plus sur des produits comme le raisin par exemple, qu'on produit beaucoup en Vaucluse. Voilà. Les entreprises locales, 20%. Alors là, ce sont plutôt des commandes récurrentes de tout petit volume.
Donc les communes passent leurs consultations entières, leurs besoins entiers sur AgriLocal pour certaines. Et donc là, c'est plus des marchés qui sont remportés par les grossistes, puisque nos agriculteurs n'ont pas forcément tous les produits à disposition. Pour les artisans et les autres fournisseurs, donc les artisans, c'est surtout les bouchers aussi qui répondent au marché sur AgriLocal. Mais on a aussi des nougatiers, par exemple, des agriculteurs qui transforment et qui font, par exemple, du nougat. Voilà. Alors, sur l'augmentation des volumes des transactions, donc entre 2017 et 2018, on a vu une augmentation de presque 40% du volume financier des achats. Et l'année d'avant, c'était 93%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une augmentation des demandes, mais aussi des réponses sur AgriLocal. Alors, Esther, tu m'avais demandé pourquoi il y a cette augmentation. Alors, je passerai après peut-être sur les produits. On va parler des produits tout de suite. C'est bon, Natacha, passe les produits, on va parler tout de suite des produits. Donc, quels produits sont commandés sur AgriLocal? Alors, le produit phare, hein, vraiment, mais je pense que c'est peut-être pareil pour toi, Albert, c'est la pomme. Parce que c'est un bassin de production chez nous qui est assez gros, c'est pas cher. Donc pour la restauration collective, c'est facile aussi pour la conserver. Donc c'est vraiment le produit phare AgriLocal. On retrouve aussi tous les besoins en fait de la restauration collective. Tu l'avais montré ce matin, hein, les carottes et les pommes de terre. Alors c'est pas des productions qui sont faciles à trouver sur le territoire. Et ces marchés-là sont plutôt remportés par les grossistes, hein, pour le coup. Pour la poire, par contre, c'est différent. C'est plus des agriculteurs, puisqu'on a un bassin de production sur le Vaucluse assez important. Sur AgriLocal, 97% des produits vendus sont d'origine France, 52% sont vauclusiens et 16% sont en provenance de la région PACA. Alors nous, tu m'avais demandé notre définition de qu'est-ce qu'est un produit local pour nous. Donc on estime, nous, que le produit local, c'est vraiment, d'abord, ça se définit au produit, parce que certains produits, il va falloir les chercher très loin parce qu'on ne les produit pas à côté. Et d'autres qui sont juste à notre porte, il y aura besoin que de quelques kilomètres. Donc ça se définit vraiment au produit. Mais en gros, pour nous, c'est comme là, je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais plus qui en a parlé, mais c'était région et département limitrophes. Voilà. Donc on repasse là. Du coup, je reviens sur les facteurs qui expliquent l'évolution des commandes sur AgriLocal. Peut-être, je voudrais que tu développes par rapport à la définition de proximité. On avait parlé des critères de territoire d'approvisionnement quand vous définissez un marché qui publicitait l'appel dans sa région des X kilomètres qui était choisi. Alors, est-ce que ça, c'est explicable? Oui, c'est explicable, mais ça va être un peu compliqué sans montrer, en fait. Sur AgriLocal, en fait, ça se passe comme ça, quand vous passez une consultation. Donc, c'est vraiment comme un marché public physique. Alors, je m'excuse pour les étrangers qui n'ont peut-être pas conscience de ce qu'est un marché public en France, mais c'est assez compliqué, hein. C'est pas mal de documents, pas mal d'articles de loi qui sont inscrits, c'est difficile à lire. Donc AgriLocal permet justement de faciliter et de rendre très facile la création d'un marché public. Donc quand vous passez une consultation, alors je parle bien d'une consultation, je ne parle pas d'une commande. La plateforme en fait, alors je vous donne l'exemple concret, je suis la commune d'Avignon, je veux acheter des pommes. Donc je lance sur AgriLocal un marché où je dis j'ai besoin de 50 kilos de pommes et le logiciel va me définir un rayon. Alors c'est moi qui aurais défini la limitation de ce rayon et elle va envoyer dans ce périmètre la consultation à tous les agriculteurs qui sont susceptibles de vendre de la pomme. Alors vous allez me dire, c'est du localisme, parce que du coup, on en a parlé tout à l'heure, le localisme est interdit. Alors pourquoi la plateforme fait ça? Alors je vous dirais non, en fait c'est de l'hameçonnage. Je lance la canne à pêche, je facilite l'accès à ces personnes qui sont à côté de chez moi, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont forcément me répondre, puisque la plateforme permet aussi aux autres acheteurs qui n'ont pas été sollicités de répondre quand même. Donc c'est la petite, entre guillemets, feinte juridique qui nous permet voilà, de le faire. J'ai répondu à ta question, Esther. Très, très bien.
Et du coup, je te relance sur ce que tu as expliqué, les facteurs qui expliquent l'évolution des commandes sur agri-local, à ton sens. Oui. Alors, je t'avais parlé de la loi Egalim en premier, mais parce que c'est un peu le sujet à la mode en ce moment, mais je pense qu'on ne peut pas encore mesurer les effets de cette loi Egalim, donc ça va être forcément un facteur, mais on va la laisser en dernier. Alors déjà, il y a la question sociétale, je pense, qui est importante. On le voit monter depuis quelques années. Hein. Les parents d'élèves sont plus en demande de produits bio locaux, donc je pense que les politiques l'entendent. Et du coup, ça se reporte sur les demandes qui sont faites alors soit aux prestataires, soit aux techniciens qui s'occupent de la restauration collective. Donc de plus en plus de communes et de collèges, d'établissements nous sollicitent justement pour les aider à travailler sur cette question du local, du bio et du deux saisons. Alors sur l'évolution aussi d'agri-local, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, on a créé un nouveau module de commandes. Alors jusqu'à présent, c'était des commandes qu'on appelle gré à gré. Donc on passait une consultation, les fournisseurs nous répondaient, ils livraient, puis c'était fini, il fallait repasser une consultation et repartir dans le procédé. Depuis 2016, donc agri-local a intégré un nouveau module de commandes qui s'appelle marché à bon de commandes, où là, on s'engage sur un contrat, en fait. Hein. Donc c'est pareil, on met en concurrence, on nous répond, et à ce moment-là, on a un contrat sur plusieurs mois, enfin sur le temps qu'on veut, en fait. Hein. C'est nous qui le définissons. Et ça permet de plus d'abord de faire du volume, et aussi de structurer les demandes. Il y a certains agriculteurs qui ont pu planter grâce à ce contrat. Je donne l'exemple, par exemple, des salades, enfin de la tournée salade qu'on a organisée avec Céline Cardinal de la Chambre d'agriculture, où on a travaillé en fait sur une tournée avec un agriculteur qui a servi les collèges du Haut-Vaucluse. Donc tous les lundis, il allait porter 50 salades, et ça a été matérialisé par des contrats sur agri-local. Alors, tu m'avais parlé aussi de la relation entre les agri-locales départementaux. Entre les réserves locales qui pourraient combler, par exemple, le manque d'offres d'un produit. Donc, on parlait pour Avignon, pour la viande, le sucre. Enfin, on n'est pas dans une région proche, il n'y en a pas beaucoup. Alors, agri-local, aujourd'hui, donc, c'est une plateforme hein, dans chaque département, mais c'est aussi une association nationale hein, qui a été créée par les départements adhérents. Aujourd'hui, on est 37 départements adhérents en France, et donc chacun, dans son propre département, a son agri-local. Donc pour nous, le département 13, qui est là ici, à côté de chez nous, donc a un agri-local, la Drôme aussi, juste à côté. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les agri-locales sont décloisonnées, c'est-à-dire que les fournisseurs peuvent répondre, les fournisseurs de la Drôme ou du 13 peuvent répondre sur agri-local 84. Ce qui fait qu'on pourrait imaginer des échanges de produits. Alors, c'est le cas. Justement, là, on organise une manifestation qui s'appelle Auprès de l'assiette, où nos chefs de cuisine vont organiser des produits locaux et de saison dans les collèges. Et on a travaillé avec la Chambre d'agriculture, donc du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, pour travailler sur des compléments de produits. Donc, par exemple, on a fait venir du riz de Camargue et on leur a vendu des pommes ou des poires. Voilà. Donc, c'est un bel exemple de complémentarité. Donc, si tu veux, on peut passer à voir le dispositif régal avec Albert et ensuite le récent manger-vue avec Eric, parce que finalement, on va trouver plein de questions qui se reviennent dans les différents dispositifs. Et peut-être que c'est plutôt question aussi après de donner la parole à la salle. Donc, Albert, quand... Bien, bonjour à tous. Donc, régal, ça veut dire d'abord réseau de gouvernance alimentaire locale. L'objectif de la démarche, je le rappelle, mais c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de promouvoir une restauration scolaire de qualité qui s'appuie sur les ressources agricoles et agroalimentaires du territoire. Alors, on va revenir hein, sur la notion de territoire et de proximité. Alors, dans un premier temps, sur la première diapositive, je voulais très rapidement vous redonner un contexte spatial et géographique. Parce que c'est clair qu'il y a autant de projets qu'il y a de territoires, de spécificités de ces territoires, notamment au niveau géographique. Donc c'est un projet qui est parti des Alpes de Haute-Provence. Vous voyez la situation des Alpes de Haute-Provence. C'est un département rural, faiblement peuplé, 161 000 habitants. Donc quand j'entendais la ville de Marseille à 850 000 habitants,
ça permet de relativiser les choses, 161 000 habitants sur ce territoire. C'est un territoire qui est classé en zone de montagne. Donc, qui dit zone de montagne, sur l'aspect logistique, difficulté logistique accrue. Un point là sur ces aspects logistiques, ça veut dire que tout outil de structuration qu'on va mettre en place, ou toute structuration de filière, je vais en parler un peu plus loin, concernant la viabilité économique de ces structures-là, c'est clair qu'il va falloir qu'elles aillent chercher sur la zone de chalandise, en bord de Méditerranée, Marseille, Avignon, Toulon. Alors ensuite, vous voyez qu'on est un département également qui est limitrophe de l'ensemble des autres départements de PACA. Et donc avec une proximité géographique des forts bassins de consommation du bord de la Méditerranée. En termes d'agriculture, on est sur une agriculture au niveau du territoire qui est très diversifiée. On a quasiment toutes les productions. Mais quelques points à noter là-dessus. On est le bassin de production, on a un bassin de production en viande et en production laitière. Ce bassin de production, un des bassins, parce qu'il y a également en PACA une partie sur la plaine de la Croix, où on a également de la production ovine et bovine, on a parlé ce matin du taureau de Camargue, mais l'essentiel de la production se situe quand même sur les Alpes, enfin sur le bassin de production Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, 0,4 et 0,5. Donc dans mon raisonnement, moi je raisonne en termes de bassin de production et en termes de bassin de consommation. Cette production-là, elle a vocation à aller provisionner au-delà du 0,4. On a structuré, nous, une filière viande-bovine avec un collectif d'éleveurs. Cette filière viande-bovine ne peut avoir une viabilité économique que si la viande descend sur Marseille, sur Toulon, sur Avignon. La zone de chalandise du département des Alpes-de-Haute-Provence, 161 000 habitants, je crois que ça fait 25 000 demi-pensionnaires, hein, tout collège, école primaire et lycée. Autre point c'est également en caractéristique, c'est on a des fruits et légumes. Hein, on a une grosse production fruitière, on parlait des pommes, on a des pommes en zone de montagne, on a du maraîchage, sauf qu'on est confronté à la saisonnalité, notamment un maraîchage de cette production. C'est-à-dire, on parlait de tomates tout à l'heure. Nous, la saison de tomates, c'est juin, septembre, au moment où la restauration scolaire est fermée, ne fonctionne pas. Alors qu'on a à nos portes, il y a Pauline Ricard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, ben, des départements qui sont producteurs de tomates, de salades, etc. Et sur un calendrier de saisonnalité élargi. Donc on ne s'interdit pas de faire monter du produit maraîcher sur les Alpes de Haute-Provence pour proposer ben, des légumes de saison PACA, à partir du mois, on va dire, avril, mars, avril, en fonction des produits, hein, de les faire monter sur le département des Alpes de Haute-Provence. Là, je vous donne quelques points qui vont étayer la définition sur la question de la proximité et du local. Mais vous voyez déjà qu'on raisonne en termes de bassin de production, de bassin de consommation, et à une échelle qui est déjà la région. On peut aller sur l'autre diapo. Tu peux aller sur l'autre diapo. Ouais. Quelques données, hein, quelques données chiffrées pour fixer également la chose. Grosso modo, on a une vingtaine d'entreprises dans le réseau Régal qui approvisionnent sur un panel de produits qui est représentatif du bassin de production la restauration scolaire. Ce nombre d'entreprises peut paraître relativement faible. Je ne vais pas expliquer pourquoi un nombre d'entreprises faible. On pourra peut-être, lors d'une question, y répondre. Ce qui est intéressant en termes d'indicateurs, tout à l'heure, c'est la ville de Marseille qui parlait effectivement de développement économique. Alors c'est clair que c'est un objectif, c'est pas l'objectif direct de la restauration scolaire, de faire du développement économique. Hein, c'est pour ça que je vous ai rappelé l'objectif, hein, c'est bien d'avoir une alimentation de qualité qui s'appuie sur une ressource territoriale. Mais ce sont des objectifs induits. C'est clair que la commande publique a un impact sur la réalité économique du territoire. Alors, la restauration scolaire sur nos vingtaines, enfin il y a entre 20 et 30 entreprises, hein. Et quand je dis entreprise, je vais le détailler tout à l'heure, ça peut être des exploitations agricoles, ça peut être des coopératives, ça peut être des grossistes, ça peut être des entreprises de transformation, mais je vais y revenir. La restauration scolaire, pour les partenaires côté amont, côté fournisseur, ça représente actuellement entre 5 à 35% du chiffre d'affaires de ces entreprises-là.
Parmi les restaurants scolaires, on a une cuisine centrale sur le département qui fait 3500 repas à jour, qui approvisionne 9 collèges sur le département. J'ai mis la contrainte des marchés publics, on ne va pas y revenir, on en a discuté dans l'après-midi. Actuellement, le taux d'introduction des produits locaux, mais les chiffres là ont augmenté, on est plus actuellement entre 20 et 25%. Alors quand je parle de produits locaux, c'est y compris bio. Ensuite, on a 4 collèges sur le département qui sont en gestion directe de leur restauration, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas approvisionnés en repas par la cuisine centrale, mais qui ont leur propre cuisine. Ces 4 collèges ne sont pas approvisionnés pour des questions logistiques. C'est des collèges qui sont en zone de montagne, donc qui ont leur propre cuisine. Il y a 8 lycées sur le département également qui sont partenaires de Régal. Là, on a la chance sur ces 8 lycées par rapport à la contrainte qui est évoquée ce matin, la difficulté des marchés publics. Actuellement, c'est des lycées qui sont encore en gré à gré, avec des taux d'introduction de produits locaux selon les lycées qui vont de 5 à 35% selon les lycées. On a également un panel d'une vingtaine de, alors j'ai mis 15, mais on est plus proche de 20 lycées sur les autres départements de la région PACA. C'est-à-dire ces lycées s'approvisionnent à partir de Régal, notamment pour leur approvisionnement en viande bovine, en viande porcine, en viande ovine et en produits laitiers. Et on a toujours sur le département un certain nombre d'écoles primaires, dont les écoles primaires de la ville de Digne-les-Bains, qui eux également, on en a parlé avec Marseille ce matin, qui sont en délégation de services publics avec un opérateur qui est Scolarest. Voilà, c'était quelques éléments chiffrés pour poser les choses. Alors, premier point pour vous expliquer ce que c'est que le réseau de gouvernance alimentaire local. Dans un premier temps, c'est un projet qui est porté par 2 collectivités. C'est un projet qui est porté par la région Sud, la région PACA, et le département des Alpes de Haute-Provence. Là, la particularité qui est intéressante, parce que dans la matinée, on a parlé de niveau de gouvernance, on a 2 collectivités qui ont décidé de mutualiser et de mettre en cohérence leurs moyens d'action sur l'objectif que je vous ai indiqué, à savoir leur restauration scolaire et l'approvisionnement de leur restauration scolaire. Donc en France, déjà, on évoque souvent le millefeuille administratif. Là, on a la chance, effectivement, sur un territoire donné, d'avoir 2 collectivités d'importance. La région, pour les lycées, c'est je ne sais plus combien de lycées, 180 lycées. Et le département, c'est en termes de collèges, c'est 13 ou 14 collèges. J'ai plus tous les chiffres en tête. Donc, c'est le premier point. Alors, 2 axes de travail au niveau du réseau de gouvernance alimentaire local. Premier axe de travail, c'est par rapport à l'objectif qui est recherché, c'est de créer une dynamique et de mettre en lien. Créer une dynamique en identifiant l'offre alimentaire du territoire. Alors là, on part d'un constat. Si vous voulez, les chefs de cuisine et les gestionnaires de restaurants scolaires ne connaissent pas l'économie de leur territoire. Ils ont l'habitude de travailler avec des grossistes dont c'est le métier. Pomona, Break France, et je ne remets absolument pas en cause, il y a de véritables fonctions à ces métiers-là, mais ils voient défiler généralement chaque mercredi le commercial de M. Pomona, de M. Break France, de Davigel, chaque mercredi avec l'ordinateur pour prendre ses commandes. L'économie de leur territoire, ils ne la connaissent pas. Donc nous, si vous voulez, dans un premier temps, il a fallu... Alors, quand je dis identifier l'offre territoriale, l'offre alimentaire territoriale, c'est ce que je vous disais au début. Cette offre territoriale alimentaire, c'est de valoriser la richesse qu'on a sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas créer d'outils ex nihilo, sachant que sur le territoire, on avait déjà un certain nombre d'outils existants. Donc parmi l'offre alimentaire, on peut avoir des exploitations agricoles, familiales. On a des coopératives, on a des grossistes en fruits et légumes, on a notamment sur l'agneau, sur des filières qui sont difficiles, en filière viande, où il y a de véritables métiers, on travaille avec des transformateurs qui assurent la découpe, etc. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur la richesse du territoire. Cette richesse du territoire, c'est de la mettre en lien avec les restaurants scolaires qu'on a sur le territoire. C'est ce que disait Hugues Fortuna, le responsable de la cuisine centrale d'Avignon, c'est de faire que cette offre et cette demande sur un territoire, que les personnes se rencontrent. Et que ces personnes se rencontrent dans un cadre bien précis.
On a parlé, vous avez parlé, il y a eu pas mal de termes ce matin, j'ai entendu alliance territoriale ce matin, alliance stratégique. Nous, dans le cadre de Régal, on parle de partenariats territoriaux. Moi, tout mon travail sur ce territoire-là est un peu plus vaste, hein, ça va sur d'autres départements PACA, de la région PACA. Tout mon travail, c'est effectivement d'avoir identifié cette offre-là et de la mettre en relation, et de faire que les gens se rencontrent et co-construisent les solutions d'approvisionnement. Quand j'écoutais ce matin Hugues Fortuna, j'étais entièrement d'accord avec lui sur la façon de, procéder. Mais dans quel cadre ? Les partenariats territoriaux qu'on a mis en place, ils ont quatre piliers. Le premier pilier, c'est la proximité. Là, je vais m'arrêter un peu plus parce que la question a été posée à l'ensemble des intervenants sur c'est quoi la proximité, c'est quoi un produit local. La première chose pour nous, c'est la proximité relationnelle, c'est-à-dire la capacité d'un chef de cuisine à discuter avec l'agriculteur, le grossiste, le transformateur avec qui il va travailler et conjointement de trouver les solutions d'approvisionnement. Je vais vous donner quelques exemples, par la suite. Cette proximité permet effectivement ce qu'on appelle la concertation sur un territoire. Cette concertation, le gage de confiance de tout ça, c'est la transparence qu'on a dans les échanges. Transparence sur l'origine des produits, transparence sur les méthodes de culture et d'élevage, transparence sur quelque chose qui est très important aussi, sur la construction du prix. Et cette construction, on a une transparence d'autant plus forte sur la construction du prix quand on travaille sur des filières intermédiaires, c'est-à-dire un producteur en direct avec le chef de cuisine. Bon, la répartition de la valeur ajoutée, on pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Plus la filière est intermédiaire, plus on fait attention, effectivement, à cette transparence sur la construction du, prix. Et de tout ça, effectivement, mais c'est les engagements qui sont pris par les uns côté fournisseurs et par les restaurants scolaires pour que le système global fonctionne, et tout ça est rédigé dans le cadre d'une charte. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça. Je vous indiquais que sur la filière fruits et légumes, on avait un problème, notamment sur le maraîchage, on avait un problème de saisonnalité. Il s'avère que sur le territoire, on a un grossiste en fruits et légumes qui, et c'est son métier, qui a des circuits de livraison qui vont profondément dans toutes les vallées, mais 0,4, enfin, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes, qui a mis en place toute une gamme de fruits et légumes locaux et qui a la capacité également, parce qu'il fait partie d'un réseau régional, et qui a la capacité également de nous faire remonter de la production du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, chez nous. Donc on s'appuie sur cet opérateur qui existe sur le territoire, qui est présent sur le territoire, mais dans le cadre des quatre piliers: proximité, concertation, transparence, engagement. Je vous indiquais qu'on était un département bassin de production en viande, notamment en viande bovine. Ça a été évoqué ce matin, je crois que c'était par la ville de Marseille qui parlait de ces 50 taureaux. On est département producteur en viande bovine, enfin un bassin de production, je remets les Alpes de Haute-Provence en liste. Sauf que c'est potentiellement, les bêtes, elles existent. Elles sont là, elles sont dans les champs, elles sont sur pattes. Et on n'avait aucun outil entre les bêtes sur pattes dans les champs et la restauration scolaire. On a fait tout un travail sur le territoire avec la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence pour structurer une filière directement avec les éleveurs. On a un collectif de 9 éleveurs qui se sont mis en capacité. Alors, ça prendrait trop de temps de vous expliquer tout le processus de développement local qu'on a eu, hein, c'était 4 ans de travail. Mais actuellement, le résultat, ces producteurs approvisionnent en viande bovine l'intégralité des partenaires que je vous ai donnés sur les Alpes de Haute-Provence et une vingtaine de lycées sur la région. Je vais vous donner un exemple. Le 10 septembre, il y a eu première livraison de l'année scolaire en Bourguignon. C'est 10 bêtes qui ont été abattues, c'est 1,5 tonne de bourguignons qui est partie sur une quinzaine de lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, on est parti effectivement d'une offre qui était présente sur le territoire, mais une offre potentielle. Cette offre potentielle, par un travail de structuration, il a fallu la rendre opérationnelle. C'est ce qui s'est fait.
Ensuite, un autre exemple, production laitière fermière. On a un bassin de production. Je vous donne ces exemples pour vous dire comment, enfin, nous, on a conçu le projet et comment on utilise les richesses qu'on a sur le territoire. Une exploitation laitière fermière, avec un agrément sanitaire de niveau communautaire. Alors, exploitation fermière, laitière fermière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lait est produit sur l'exploitation, transformé sur l'exploitation. Cet opérateur-là avait déjà une activité commerciale sur le territoire. Il avait déjà tous ses circuits de livraison. Donc, le travail qu'on a fait de partenariat avec lui, c'est tout simplement, effectivement, de le mettre en relation. Puis d'ailleurs, il n'avait pas attendu le dispositif pour déjà travailler avec la restauration scolaire, mais le dispositif lui a ouvert de nouvelles portes. Donc, on a tout simplement travaillé avec lui sur une mise en relation. Et maintenant, ce producteur-là livre non seulement les Alpes de Haute-Provence, et on parlait de logistique tout à l'heure, ces produits laitiers fermiers partent sur tous les départements de la région par transporteur. Par transporteur. Ça part, le transporteur passe sur la ferme, prend les palettes qui ont été commandées par les lycées de la région et c'est livré. Peut-être qu'il serait bien, maintenant qu'on a, on vous a écouté avec quelques exemples de médiation sans créer des outils complémentaires, enfin, passer à voir l'exemple qu'Eric nous apporte de son réseau, qu'ils sont une plateforme physique, plutôt tournée sur l'avion, pour voir un autre type de, voilà, de structure intermédiaire, sachant que vous ne créez pas d'outils, vous faites la médiation, la mise en relation. Bonjour, donc je suis coordinateur du réseau Manger Bio, qui est un réseau qui existe depuis 2010 en fait et qui regroupe nationalement des plateformes de producteurs et de transformateurs bio. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire français. On va voir la carte. Voilà. Voilà, on est présent, on couvre 75% du territoire français. Et d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire début 2020, on aura donc 20 plateformes sur l'ensemble du territoire. Donc ce sont des plateformes qui sont chacune indépendantes, qui ont été créées par des producteurs et des transformateurs bio locaux, qui en sont les administrateurs. Donc en termes de gouvernance et de statut au niveau national, nos adhérents en fait sont constitués de plateformes dont les producteurs et les transformateurs locaux représentent 50% de la gouvernance à minima. Donc ce sont des outils véritablement tenus par la production locale. Là où on a quelque chose, je dirais, en plus, c'est que donc on travaille prioritairement avec une offre locale. Comme le disait madame, pour nous le local c'est la région, l'ancienne région nomenclature, l'ancienne région administrative et les départements limitrophes. Et donc, dans ce cadre-là, on propose aussi un complément de gamme sur la base d'un partenariat transparent avec Biocoop Restauration. Donc en fait, on travaille à la fois sur des filières courtes et sur des filières longues, sur la base de valeurs communes, qui nous permettent à terme de relocaliser l'alimentation sur les territoires. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on va par exemple vendre sur un territoire de la carotte. Ça peut être Biocoop qui va la vendre. Donc ça passe toujours par la plateforme, mais c'est du produit qui vient de chez Biocoop. Et en année N plus 1, ces volumes qui ont été fournis au national, on les repropose à la production locale, de manière à pouvoir faire une synergie entre des filières longues et des filières courtes pour relocaliser l'alimentation. Donc avec ce type de système, on est à minima à 80% en produits locaux et 20% sur une offre extérieure. Je dis à minima parce que souvent en fait, Biocoop Restauration, de par son cahier des charges, a quand même des partenariats importants avec de la production locale. Et des fois, on peut avoir des producteurs qui desservent une plateforme Biocoop, mais qui restent des producteurs locaux. Donc on est à 80% sur une offre bio et locale. L'idée, c'est pour nous de pouvoir être véritablement fournisseur de la restauration collective.
et de pouvoir rivaliser avec des grosses boîtes en réinventant un modèle économique, mais qui est basé sur d'autres valeurs. Donc on a voulu travailler sur une offre qui va couvrir tous les produits frais, les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, mais également tout ce qui est produits d'épicerie, dont on se sert beaucoup en restauration collective, qui peuvent être les pâtes, le boulgour, le riz, le couscous, etc. etc. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois une offre qui soit complète et une offre qui soit sécurisée pour les collectivités, c'est-à-dire qu'avec le partenariat de Biocoop Restauration, on peut répondre à des appels d'offres importants, voire très importants, et être sûr que si à un moment donné, sur l'échelon ou le maillon local, il y a une rupture, où il y a un aléa climatique qui fait que la production n'est pas disponible, c'est l'échelon national qui prend le relais. Et du coup, ça, c'est un vecteur important de sécurisation pour les plateformes. Autre vecteur qui est important, c'est le fait de pouvoir assurer, à un moment donné, à la production, une planification sur le long terme. Donc je sais que ça revient depuis des années et des années que les marchés publics, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, beaucoup d'outils qui ont été faits. Nous, on trouve que les marchés publics, c'est structurant. C'est compliqué, mais que c'est structurant pour la production. Ce qui est embêtant, par contre, c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'une fois que le marché public est passé, on va dire que ça avance. Le problème, c'est que souvent, la volonté politique change tous les deux ans, en fonction de l'électorat, en fonction des enjeux, et qu'on peut très bien se retrouver avec un marché public qui nous est attribué ou qui est attribué à une plateforme qui permet de mettre en place des volumes, qui permet de mettre en place des filières, et puis deux ans après, le maire, il décide qu'il a envie de taper plutôt dans un électorat un peu plus traditionnel et qu'il va arrêter de faire du bio, ou il va faire du bio avec un grossiste, et du coup, il va foutre la filière en l'air. Donc, les marchés publics, c'est pas tellement un souci. Ce qui est un souci, c'est les hommes politiques et la volonté qui dure dans le temps. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est qu'on se situe à la fois comme un acteur économique, mais on se situe surtout et en premier lieu comme un acteur de développement du territoire. Ce qu'on veut garantir aux collectivités, c'est qu'on est, je dirais, dans un service partagé au service du territoire. Nos entreprises, les outils qui ont été créés par les producteurs, ce sont des entreprises qui ne réalisent pas de profit personnel. Ce sont des outils qui ont été créés dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des associations. Et plus généralement ou majoritairement, ce sont des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc, dans le cadre desquels les profits sont encadrés et il n'y a pas de profit personnel qui est réalisé. Donc, on n'est pas une société, ou nous ne sommes pas des sociétés avec des paradis fiscaux ou en tout cas, tout ce qui est versé, entrepris par le biais de la plateforme reste sur le territoire. Un environnement protégé parce qu'on a pris, l'engagement de travailler sur du bio, qui est aujourd'hui le seul label, on va dire, qui peut permettre de garantir une certaine protection de l'environnement. C'est peut-être pas forcément le maximum, mais c'est déjà un cahier des charges qui permet de garantir et de donner de la visibilité aux pratiques des producteurs. On a aussi pas mal dans ce sens-là de relations entre les plateformes et les outils de développement de la bio à l'échelle des territoires. Donc on participe à des actions de sensibilisation, de formation, à tout ce qui peut être de l'ordre de l'animation du territoire. Des emplois créés localement, on n'est pas sur de l'emploi délocalisable, on est chaque fois sur des outils qui embauchent des gens du coin en fait. Donc c'est un vecteur d'emploi pour le local. À l'heure actuelle, on a à peu près sur l'ensemble du réseau, on a à peu près 100-150 salariés. C'est assez évolutif. C'est plutôt en train de monter. Des producteurs payés au juste prix, puisque de toute façon, ce sont les producteurs qui font les prix, ce sont les patrons, donc ce sont eux qui font les prix. Là où on insiste beaucoup aussi, c'est que les prix sont concertés avec et entre les producteurs. C'est-à-dire que les produits sont mis en place avec une concertation en amont des producteurs pour pouvoir équilibrer entre les coûts de certains qui vont être plus importants et les coûts d'autres qui sont moins importants. Et c'est la plateforme à ce niveau-là qui joue le rôle, je dirais, d'agent de régulation ou d'outil de péréquation
entre des producteurs qui ont des coûts de production plus élevés que d'autres. L'idée étant de sortir des gammes de produits avec des coûts quand même assez uniformes, pas de vendre de la carotte à 1,20€ et puis à 70 centimes, mais qu'on puisse faire jouer de la péréquation entre les plus petits et les plus gros. Des producteurs payés au juste prix, c'est, je dirais, l'ADN du réseau, c'est de revaloriser aussi par le biais de la restauration collective ce qui a été longtemps un souci, c'est-à-dire de pouvoir valoriser le travail du producteur. Ensuite, on a un deuxième panneau qui concerne plus le côté professionnel. Pour nous, on peut avoir le meilleur produit du monde, qu'il soit super au niveau environnemental, qu'il soit super au niveau social, qu'il soit super au niveau gustatif. Si vous n'avez pas un camion pour l'amener, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on a voulu véritablement mettre en place, c'est de la professionnalisation à ce niveau-là, pour les producteurs, pour les salariés des plateformes, et pouvoir amener à la restauration collective des services qui soient adaptés, parce que c'est un milieu qui a des règles spécifiques. On ne va pas tout plastiquer du jour au lendemain. On travaille aussi avec des sociétés de restauration concédées, on en a parlé tout à l'heure. On travaille avec les majors comme Sodexo, Elior, Happy, Compass, les plus grosses. Et aussi les petites qui sont à l'échelle régionale et qui ont un niveau d'exigence assez colossal. Donc on essaye d'impacter un peu leur profession, mais il faut quand même qu'on arrive à répondre à certains critères. Des services performants, ça c'est des services performants au niveau de la logistique pour pouvoir arriver à livrer, sans être complètement déconnant au niveau de l'environnement. Et du coup arriver à rationaliser tout ce qui est la logistique. Et puis une offre accessible, parce que ça va rejoindre un peu le premier panneau, c'est que pour nous, une offre bio, elle doit se démocratiser. En fait, on n'est pas là pour faire un marché de niche ou un marché de bobos. On travaille sur une restauration collective qui est sociale, et on se dit que les produits bio, ils doivent pouvoir être partout et pour tous. C'est un challenge, c'est pas forcément évident, mais on essaye d'organiser la logistique de manière à pouvoir desservir des petits sites et des gros sites. Et que les gros sites, par le phénomène d'optimisation, ça puisse permettre de desservir des petits sites un peu plus reculés, un peu plus, on va dire, défavorisés en termes de géographie. Par rapport à l'offre, vous m'aviez parlé que cette offre en bio, pour vous, elle est dynamique. Vous pouvez expliquer un peu ça ? Alors, sur la dynamique, c'est la dynamique tout à l'heure que j'expliquais entre les filières courtes et les filières longues. Aujourd'hui, nous, on se place comme un acteur de la transition, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on vit dans un monde qui a été beaucoup industrialisé, notamment dans la restauration collective, avec beaucoup de massification, avec beaucoup de prix tirés vers le bas. Et à côté de ça, on a un objectif qui est assez ambitieux, c'est de généraliser une alimentation de qualité au pluriel, au niveau environnemental, social, et que ça se fera pas du jour au lendemain. Du coup, le partenariat avec Biocoop marche dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a mis en place entre nous les valeurs qu'on voulait afficher, les valeurs que chaque acteur devait respecter. Et on travaille donc sur une relocalisation de l'offre, de manière à pouvoir permettre à un moment donné que des volumes au niveau national puissent être relocalisés sur les territoires. Donc c'est un va-et-vient, je dirais, continu, un partenariat continu pour pouvoir relocaliser l'offre. Ça demande de la concertation, de la confiance, du partenariat et de la transparence, comme disait monsieur. Et quand on regarde bien, en fait, qu'est-ce qui fait les qualités d'un circuit court par rapport à un circuit long, c'est vraiment la différence entre de l'opacité et de la transparence. Vous pouvez avoir un circuit long qui est complètement équitable, socialement pertinent, environnementalement cohérent, comme vous pouvez avoir quelque chose de local qui est absolument désastreux. Tout ça va reposer sur la transparence que les acteurs mettent sur leur mode de production et de distribution. Sur le truc des intermédiaires que soulignait monsieur, nous on travaille aussi dans le cadre d'une SIC ou des SIC qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans lesquelles les collectivités peuvent adhérer. Il y a donc en fait
C'est un phénomène assez, je dirais, nouveau, mais c'est que les clients peuvent venir assister à des conseils d'administration ou à des AG et qui sont à peu près tenus au courant de, on va dire, de l'économie de la plateforme. C'est un outil en fait qui est au service du territoire. Donc on n'est pas là pour se gaver. Et la plus-value qu'on apporte par rapport au produit, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du service, elle est largement légitime. Je voudrais vous poser une question toutes les trois avant de passer à l'intervention Rosalia. Donc justement, la plus-value que vous apportez, et tout à l'heure vous aviez dit qu'on ne veut pas rivaliser avec les grosses boîtes, je voudrais savoir vos dispositifs, vos structures intermédiaires par rapport à ces grosses boîtes, ces structures conventionnelles, quel rapport vous avez de concurrence avec elles, quelle plus-value vous apportez, comment vous vous démarquez, qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est une question à tous les trois, parce que j'ai entendu les mots valeurs, vous l'avez utilisé tous, il me semble. Avant que Rosalia nous donne un peu le portrait italien. Alors, moi, je vais faire simple, on est en concurrence totale, puisque ce sont des gens qui sont sur le même, on va dire, créneau, secteur de produits, et qu'on les retrouve en face de nous sur les marchés, et qu'on a toujours refusé de travailler avec eux, que ce soit sur un plan logistique comme sur un plan purement partenarial. C'est pas qu'on fasse du racisme, mais on n'a pas le même ADN. Et en fait, toutes les boîtes, on a des boîtes qui nous approchent et qui disent bah, nous, on aimerait bien rentrer dans le réseau Manger Bio, parce qu'on a par exemple des exclusivités sur du bio local avec des sociétés de restauration concédées. Et ces sociétés de restauration concédées, quand elles sont approchées par certaines boîtes, elles disent le bio local, c'est le réseau Manger Bio. Donc ils viennent frapper à notre porte en disant on aimerait bien adhérer, comme ça on pourrait avoir accès à tel type de débouché. Et donc là, forcément, on regarde les statuts. S'il n'y a pas de producteur dans la gouvernance, s'il n'y a pas de transparence au niveau des finances, c'est pas la peine. Vous l'aurez compris, hein, sur la démarche Régal, on travaille avec des entreprises qui sont inscrites dans leur territoire. Donc on ne travaille pas. Alors quand j'ai pris l'exemple des fruits et légumes, c'est une entreprise de dimension régionale avec laquelle on travaille, qui a l'habitude déjà de travailler avec des producteurs locaux dans un certain cadre, sachant que nous, c'est pas qu'on lui impose, ça fait partie du cadre du partenariat territorial qu'on monte avec elle et les producteurs qui l'approvisionnent. Ce que je vous ai indiqué, c'est la concertation avec ses producteurs et notamment la transparence. On évoquait la transparence sur la construction du prix. Quand on a un intermédiaire tel que ce grossiste, on est en capacité de vous dire, voilà, le prix payé de la pomme, il est de temps. Voilà ce qui revient au producteur, sachant qu'on s'est assuré que effectivement c'était un prix qui était viable pour le producteur. Voilà, et il y a un vrai métier qui est le métier de ce grossiste. Là, je vous ai indiqué sur les zones rurales, c'est un des seuls sur notre territoire en capacité, et fait qu'il y a déjà les circuits de livraison, en capacité d'aller dans des vallées très loin, d'un point de vue logistique. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur l'aspect de la démarche régale, c'est qu'en utilisant ces ressources présentes sur le territoire, on travaille sur des kilomètres qui sont déjà parcourus sur le territoire. On n'invente pas de nouveaux kilomètres, parce que nos territoires, ils sont déjà... Sur certaines zones, les camions, ils roulent déjà. Donc on utilise effectivement les camions qui roulent déjà là-dessus dans le cadre des éléments que je vous ai donnés, les quatre piliers des partenariats territoriaux. Donc on n'est pas dans un cadre de concurrence, on est dans un cadre d'un projet de territoire où l'ensemble des acteurs du territoire se réunissent pour dire ensemble et porté par les collectivités. Donc on parlait de gouvernance tout à l'heure. La gouvernance, c'est les collectivités qui la portent. Parce que l'intérêt général du territoire, il ne peut pas être porté par un intérêt privé, ou difficilement. C'est les collectivités qui portent cette gouvernance-là dans le cadre des partenariats territoriaux. Alors, moi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, quand je disais que certaines consultations sont plus remportées par des grossistes que par des agriculteurs. Hein. Je vous ai
parler. Moi, je me place un peu différemment de monsieur, par exemple, puisque nous, donc, on est un service public. On est une plateforme de marché public dématérialisée, donc on n'est pas là pour faire rentrer les gens en concurrence réellement. Par contre, on remarque que de toute façon, je pense que les collectivités, elles ne peuvent pas, les acheteurs, pour ne pas avoir de confusion, elles ne peuvent pas se passer des grossistes aujourd'hui, en tout cas sur certains produits. Donc nous, l'objectif, c'est de définir avec la collectivité quel produit il va pouvoir trouver en local et de travailler vraiment à de l'approvisionnement direct pour ces produits-là. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Certaines collectivités utilisent AgriLocal pour passer toutes leurs commandes de produits. Donc, de fait, ils ont des réponses d'agriculteurs, mais aussi des réponses de grossistes. Là, le but, c'est que les collectivités, elles aillent sur AgriLocal uniquement pour passer leurs commandes qu'ils savent qui va être répondue par des agriculteurs. Donc, de fait, je pense pas que ça crée vraiment de concurrence. Voilà. Après, certains produits qui sont produits localement, effectivement, on les achète plus chez les grossistes. Voilà. Avant de continuer avec les débats, je pense que ça va justement aider à avoir ces débats, de que Rosalia nous fasse le difficile exercice de nous donner une illustration un peu de comparaison au miroir, comment ça se passe en Italie par rapport à l'introduction des produits locaux dans les cantines, par rapport à la structuration de l'offre, comment la restauration collective ou la public procurement peut être un vecteur pour développer ces filières territoriales, structurer l'offre. Voilà. Okay. Comment vous entendez normativement, comment vous traduisez la proximité normativement, si est-ce que ça existe, vous pouvez utiliser local ou pas. Ok, alors en fait, bonjour à tout le monde, bonsoir. Alors, donc j'espère de parler bien en français, maintenant je suis aussi un peu fatiguée. Alors, Esther m'avait demandé de vous montrer en fait qu'est-ce que j'ai découvert en Italie sur cette thématique de système alimentaire local et surtout en fait les problématiques liées à l'introduction d'un acteur intermédiaire entre les agriculteurs et tous les acteurs de la filière. En fait, moi je suis chercheuse à l'Université de Milan et mon travail, c'est pas un travail assez pratique comme les vôtres, mais moi mon travail c'est d'observer la réalité, me poser des questions, après observer la réalité, me poser des questions, etc., etc. Alors, et théoriser et voir si dans la littérature quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qu'il passe dans les territoires en fait. Moi, je suis économiste, mais ma thèse, c'était en agronomie. Et je dois préciser que mon point de départ, c'était l'agriculture, les agriculteurs par les chaînes alimentaires. Mais parce que, en fait, la question de recherche, c'était de comprendre si le système alimentaire local peut être un moyen pour maintenir l'agriculture dans les territoires périurbains. Et pour ça, moi, j'étudiais soit les agriculteurs qui ne participent pas au système alimentaire local pour voir pourquoi, quelles sont les contraintes, les atouts, etc., soit les agriculteurs qui participent au système alimentaire local. OK. Pour vous, je voudrais vous expliquer, en fait, quatre expériences, disons, de système alimentaire local que j'ai trouvé pendant ma thèse, mais aussi après, pendant mon travail de recherche. Et la thèse, c'était à Pise, en Toscane, et maintenant, je travaille à Milan, en Lombardie. Alors, ça veut dire que Pise, c'est une ville moyenne, c'est une ville très petite, en fait, en Italie, mais avec une région urbaine très dynamique, tandis que Milan, c'est une ville métropole, mais aussi au niveau agricole très dynamique. Vous savez que là-bas, il y a
parc agricole au sud de Milano, comment je peux le traduire, ça, que je crois que c'est le premier parc agricole en Europe, une chose comme ça. Bon, ils sont très orgueilleux de ça. Ok, alors pour les premières, disons, expériences, c'est le localized agro-food system, not local. Localized, c'est une chose qui en Italie, en France, c'est très connu, c'est très important pour l'économie agricole. En fait, c'est le système, le SIAL, le système agroalimentaire localisé. Ok, ce sont les produits typiques. Vous savez qu'en Italie, en France, en fait, l'économie agricole, pour l'économie agricole, les produits typiques, l'origine, les certifications, le label, etc., c'est vraiment super, super important. Et moi, je viens d'une région de l'Italie qui c'est Emilia-Romagna, et là-bas, nous avons les jambons de Parme, les parmigiano reggiano. Mon identité, c'est les parmigiano reggiano. Pour moi, c'est une chose très importante. Alors ça, c'est une définition de local, ok? C'est un produit local, ok? C'est un produit où il y a soit une définition sociale identitaire, traditionnelle, soit une définition géographique, parce que les jambons de Parme, tu peux les produire seulement là-bas, ok? Le lait du parmigiano peut être un lait qui vient de vaches qui sont là-bas, dans cette région, pas dans des autres régions, même en Italie. Il y a une définition de qu'est-ce que c'est le local, de la proximité, très, très claire. De la production, mais pas de l'approvisionnement. Ça veut dire qu'en fait, on peut introduire dans la cantine scolaire de Milan un produit local d'une autre région d'Italie. Mais c'est local, c'est défini local par le consommateur. Ok? Et avoir cette typologie de produits pour les cantines scolaires, c'est une richesse incroyable, parce que en même temps, ils peuvent avoir un produit local et en même temps, ils peuvent avoir un produit qui est certifié, dont la qualité est sûre, parce qu'il y a quelqu'un qui va contrôler ce qui est produit. Okay? C'est très facile aussi de l'introduire dans les menus des écoles, etc., parce que vous ne dites pas que c'est un produit local, vous dites que c'est un produit certifié. Et comme ça, vous pouvez aussi contribuer à l'économie locale. Mais on a vu qu'en fait, ça c'est vrai pour tous les produits qui sont en fait très connus, comme par exemple les jambons de Parme. Mais quand il y a des produits nouveaux, surtout si le label c'est un label privé, comme par exemple carne bovina di Pisa, c'est un label typique de Pise, mais que c'est un label privé, pas public, parce que c'est le label d'une association locale. En fait, là-bas, c'est plus difficile l'introduire, surtout dans les supermarchés, et parce que, en fait, il y a besoin d'un acteur intermédiaire. Merci à vous d'être ici, d'un acteur intermédiaire qui surtout aide la contractualisation du prix entre les supermarchés et les agriculteurs. Pour les supermarchés, c'est super avoir ces labels parce qu'ils peuvent offrir un produit local, mais en même temps, ils ne peuvent pas médier, c'est dit en français, contractualiser bon, les prix et la fourniture singulièrement avec tous les éleveurs. Ils ont besoin d'un acteur intermédiaire. Mais le problème d'avoir un acteur intermédiaire, c'est que tu dois payer l'acteur intermédiaire. Ça veut dire que soit l'agriculteur est payé moins, soit les supermarchés vendent le produit à un prix plus haut. Okay. Et là-bas, en fait, ce qui semble, les facteurs qui semblent vraiment importante pour décisive pour pouvoir avoir cette filière, c'est que l'acteur intermédiaire en fait travaille gratuitement. Comme ça, le prix est vraiment le prix qui va à l'agriculteur. Mais bon, on sait que c'est une situation un peu spéciale. Je pense que dans votre action, vous êtes payé.
Ah oui. Non. Oui. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. Mais... Ah oui, c'est... Oui. Oui, ok. C'est une question ouverte là-bas. Ça, vous voulez contribuer? Non? Oui, non, mais moi je suis quand même... Mais sauf que la collectivité... La collectivité, elle a un rôle d'animateur de son territoire. Ça fait partie du rôle d'une collectivité. Et dans le cadre de... On a parlé de sourçage, d'identification. La collectivité, elle a pour rôle aussi, sur ses approvisionnements, d'identifier des structures. Alors ça peut être des plateformes, hein, je vous dis, on n'exclut absolument pas les plateformes. Ça peut être des mines, des marchés d'intérêt nationaux aussi, hein, parce qu'en PACA, il y a une réflexion avec les marchés d'intérêt nationaux qui sont des lieux de concentration de l'offre. Donc la collectivité, elle a ce rôle d'animateur du territoire, elle a ce rôle d'approvisionneur, de sourceur, d'identification. Je vous ai indiqué que les chefs de cuisine, l'économie du territoire, ils ne la connaissaient pas. Donc nous, ça a permis effectivement aux chefs de cuisine de leur faire identifier l'offre qui est existante. Ensuite, l'activité économique en elle-même, ensuite, il faut qu'elle soit rentable dès le démarrage. C'est clair, nous, tous les partenaires de Régal, ils rentrent dans les quatre piliers des partenariats territoriaux, mais il n'y a pas un produit qui part si la livraison n'est pas rentable. Si la livraison n'est pas rentable. Donc la collectivité a joué son rôle d'animateur du territoire, de mise en lien d'acteurs sur un territoire, voire de moteur également dans la structuration de filières avec des organisations comme qui sont les organisations chambres d'agriculture, qui sont sur nos territoires. Là, je pense à l'exemple que je vous ai donné sur la viande bovine, de mise en lien. Cette mise en lien, elle peut aller très loin. Je reprends l'exemple de la viande bovine. Le collectif d'éleveurs qu'on a créé, il n'est pas devenu du jour au lendemain un grossiste en viande. Mais la rencontre entre ces éleveurs et les chefs de cuisine, il y a eu une compréhension réciproque des uns et des autres. En plus, nous, dans Régal, on raisonne filière par filière parce que les logistiques de filière sont vraiment différentes. On ne travaille pas la viande de la même façon, sauf à faire de l'achat-revente, hein. Mais on ne travaille pas de la viande de la même façon qu'on va travailler des fruits et légumes. Les réglementations ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes. Et il y a des acteurs dans les filières qui ont de vrais métiers, notamment sur la viande. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sur les questions des équilibres carcasses. Mais cette rencontre entre chef de cuisine et éleveur, elle a permis... Comment on fonctionne là? Je vais vous donner un exemple. Le collectif d'éleveurs, en fin d'année scolaire, il envoie à tous les chefs de cuisine partenaires de Régal son calendrier de livraison. Le calendrier de livraison arrive chez les chefs de cuisine. Les chefs de cuisine disent, bon ben voilà, moi telle date, je commande tant de bourguignons, je commande tant de steaks. L'autre date, je commande tant, etc. Ça permet de donner de la visibilité aux éleveurs sur quasiment une année scolaire. Et ça leur permet également de préparer les bêtes en conséquence. Derrière tout ça, il y a un abattoir, enfin, etc., etc. On est véritablement sur de la rencontre entre acteurs qui co-construisent leur filière d'approvisionnement dans ce cadre-là. Donc voilà, ça, c'est un rôle, c'est également le rôle de la collectivité d'animer son territoire. Ok, ça c'est un acteur intermédiaire privé, ok, pas public, mais ça c'est une différence importante. Après, la deuxième expérience, l'Alternative Food Network, vous connaissez qu'est-ce que c'est. J'utilise les mots français circuit court, même si la définition en France est très spécifique, mais au moins l'idée c'est de connecter mieux l'agriculteur et le consommateur. Il y a beaucoup de bénéfices, pas tout bien étudié, mais bon, en fait, c'est que on espère, c'est que avec les circuits courts, cette connexion directe permet aussi d'avoir un prix qui est plus équitable, soit pour les agriculteurs, soit pour les consommateurs. Et ça va. Il y a de la traçabilité, et ça, c'est super, ok. Et dans l'étude des agriculteurs à Pise, en fait, on a observé qu'il y a beaucoup d'hybridation. Il y avait quelqu'un cette matinée qui avait posé cette question. Hybridation, c'était soit des agriculteurs, soit des chaînes alimentaires conventionnelles et alternatives. Ça veut dire que les agriculteurs
vendent au même temps les mêmes produits, soit en filière conventionnelle, soit en filière alternative, soit ils vendent des choses différentes, mais ils participent à les deux. Soit il y a une hybridation entre les filières alternatives. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la spécialisation. La dame aujourd'hui a dit le contraire. Et un agriculteur peut participer soit vente directe dans la farm, soit au marché des agriculteurs, soit au AMAP, ce qu'en Italie les GAS, les AMAP, soit à des autres expériences de vente, etc. Ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait, les agriculteurs sont très dynamiques et ils se proposent beaucoup, ils ont très entreprises, je ne sais pas comment le dire, mais en même temps, ça risque d'être de la fragmentation. Quand j'ai enquêté tous les acteurs commerciaux qui se rapportent avec les agriculteurs, beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que ce système, c'est vraiment un système résilient, durable économiquement? Parce que si moi, que j'ai un magasin, je dois m'appuyer sur cet agriculteur que maintenant, mais comme ça, et les mois prochains, je ne sais pas, etc., quelle est la durabilité économique de cette expérience? Surtout parce qu'il n'y a pas une coordination, encore acteur intermédiaire. Et surtout, il y a des problèmes de exclusion sociale. Ça veut dire que sont toujours les mêmes agriculteurs qui sont inclus dans les réseaux alimentaires alternatifs. C'est difficile de trouver, d'avoir d'informations sur des autres agriculteurs qui sont disponibles. Est-ce que les autres agriculteurs qui ne participent pas ne sont pas disponibles ou ne connaissent pas ou ne sont pas éduqués peut-être à participer à cette filière, etc. Ok. Le troisième, c'est le food shed approach. Vous savez qu'est-ce que c'est un food shed? Un food shed, pour être plus simple possible, c'est en fait une modalité pour étudier la capacité productive d'un territoire pour l'objectif d'assurer la production à une usine ou un cantine scolaire, etc. Comme un bassin alimentaire. Pardon? Le mot serait bassin alimentaire. Bassin, oui. En France, oui. En Italie, nous utilisons food shed. Oui, bassin d'approvisionnement alimentaire. Oui, c'est vrai. Alors, dans les cas des cantines scolaires, ok, nous savons très bien les bénéfices, la traçabilité, les questions de sécurité alimentaire, etc. Moi, j'étudiais en fait l'expérience de cantine scolaire dans une petite municipalité dans le milieu de la campagne de la Lombardie. En fait, là-bas, l'agriculture est une agriculture très spécialisée sur la production du lait et de la viande et du melon. Et parce qu'il y a un produit typique du melon de Mantova. Bon, et quindi il y avait beaucoup la difficulté d'organiser la filière avec les agriculteurs locaux, parce que les agriculteurs nous ont dit, ah ben oui, si vous voulez, je peux vous vendre mon melon, mais c'est seulement pour les mois de l'été, de septembre. Et après, c'était difficile de repérer des productions locales. Alors là-bas, c'était vraiment la question, qu'est-ce que c'est local? Mais, et nous n'avons pas donné une réponse à ça, mais au-delà de ça, c'était aussi le problème de... il y avait tout un problème d'éduquer les familles et les enfants et les enseignants qu'il y avait une certaine production locale qui était possible insérer dans les écoles, dans les cantines scolaires, et de la production agricole qui n'était pas possible, mais même s'il n'était pas local, ça ne veut dire pas qu'il n'est pas une production de qualité, etc. Il y avait vraiment toute une question d'avoir des actions d'éducation alimentaire aux gens, aux enfants, aux familles, aux parents. En Italie, la filière de cantine scolaire, normalement, c'est
avec, ok, il y a les enfants qui mangent, les enseignants qui mangent et doivent contrôler les enfants pendant qu'ils mangent. Il y a le catering, qui normalement en Italie c'est une grande entreprise qui travaille pas seulement dans cette municipalité, mais aussi dans des autres régions. Et après, il y a la municipalité qui doit donner les règles de la, des menus, etc. Ça, c'est très simple, je sais. Nous, vu que nous sommes économistes, on s'est posé beaucoup de questions sur les, l'acteur intermédiaire qui était le catering, la société de catering. Parce que, par un côté, si la société de catering, c'est une société grande, il peut s'appuyer sur des économies d'échelle et pouvoir distribuer assez d'aliments de qualité et à un prix qui est un prix équitable. Mais, comme il est grand, il doit gérer des chaînes alimentaires qui sont au niveau national aussi. Il doit gérer des gros volumes. Alors, il nous a dit, par exemple, que pour avoir les pommes dans cette école en Lombardie, ils doivent demander les pommes dans une autre région en Italie, et cette pomme faisait un circuit, un voyage incroyable. Et tout ça, en fait, les parents ne savent pas. Ils veulent seulement un produit qui est certifié, qui est local, etc. Quindi il y a une action d'éducation qui est nécessaire. Mais, et sur ça je vais conclure, oui, je sais. En fait, cette action d'éducation, c'était génial pour moi parce qu'il disait, il y avait les enseignants qui disaient, en fait, on doit aussi être sûr comment les enfants mangent. Parce que si les enfants mangent dans un environnement qui n'est pas agréable, en fait, ils ne mangent pas. S'ils mangent dans un espace qui n'est pas un espace qui peuvent aider à comprendre ce que je mange et à goûter bien et apprécier même socialement ce que je mange, c'est pas bon, ils vont pas manger, ils préfèrent manger des sandwichs dehors. Ok, pour conclure, parce qu'on parle d'acteurs intermédiaires, il y a les Urban Food System où en fait c'est vraiment l'acteur public qui commence à être un peu l'acteur intermédiaire qui cherche de coordonner toutes ces expériences. Mais comme mon ami avant m'a dit, le problème c'est quand la municipalité, par exemple, change la couleur politique, peut-être toutes ces initiatives vont se fermer. Alors c'est très difficile aussi de travailler avec la politique, avec la public. Stop. Merci. Désolée, j'ai parlé très vite et j'espère d'être... Ah, ok. Oui, j'ai pensé à eux, mais c'est vrai que... Ok. Oups. Bon, merci beaucoup à tous. Je pense que je vais donner la parole tout de suite à la salle. Donc, j'ai trouvé intéressant, quand tu mets en avant que en Italie, tu as passé ces structures intermédiaires qui prennent différentes formes, qui aident finalement à que les petits agriculteurs puissent participer dans la commande publique, etc. Et puis les autres avantages que tu as cités. Donc, je retiens ça. Qui veut commencer avec des questions? Bonjour, merci à vous. Donc, Natacha Sotreau de l'ITAB, j'ai une question pour Eric. Attention. Donc, tu disais que dans Manger bio ici et maintenant, en fait, vous aviez des petits producteurs, des gros producteurs, circuits courts, circuits longs, que vous avez grossi, que vous étiez devenu, je crois, de 100 à 150 salariés. Comment vous traitez, et tu as évoqué toutes les questions des nouveaux arrivants, nouveaux entrants qui tapent à la porte un peu, comment vous traitez la question de l'élaboration des coûts de production individuels, comment vous gérez cette question des prix avec sans doute des profils d'agriculteurs de plus en plus divers. On parle de conventionnalisation de la bio parfois. Voilà, c'est un peu les questions que tu as commencé à aborder en disant des tout petits producteurs avec des très gros dans la même structure. Enfin, voilà, je m'interrogeais.
Là-dessus, on n'a pas de réponse uniforme. Ce sont chaque plateforme, en fait, en fonction des producteurs qu'elle intègre, qui met en place des choses. Après, sur la restauration collective, et puis vu l'augmentation des volumes, puisque là on est sur la loi Egalim, on commence à avoir déjà beaucoup de choses qui évoluent dans le paysage, des jeux d'acteurs qui se positionnent différemment, surtout sur la bio. On va passer de 3% de bio en restauration collective à 20%. Enfin, on va. C'est dans les textes. On devrait. Mais voilà. Mais même si on passe, nous on se dit atteignable en 2022, 10%. Donc ça veut dire quand même on multiplie par 3, quoi. C'est ce qu'on fait. En fait, c'est ce qu'on fait chaque année dans le réseau, quoi. En fait, non, tous les 3 ans, on multiplie par 2. On double le réseau. Donc les petits producteurs, les gros producteurs. Alors ça dépend des types de production. Et souvent, en fait, les producteurs n'ont pas encore ce réflexe ou cette mécanique pour calculer leur coût de production, en fait. Donc c'est assez difficile de pouvoir travailler sur un coût de revient. Certains arrivent à le faire, mais du coup, il faudrait que tous arrivent à le faire pour que ça soit véritablement comparable. Après, il y a des types de production qui sont différents. Donc des fois on peut aller du simple au double. On va dire qu'il y a différents paramètres, on n'a pas de solution unique. Sur la restauration collective aussi, on est quand même si on est en bio, etc., on est face à un secteur qui est quand même assez standardisé ou qui a pris des habitudes de standardisation. Donc à un moment donné, on essaye d'éviter d'aller uniquement vers notamment du légumier de plein champ ou des choses comme ça, en fait, ou des grosses unités. C'est des choses qu'on essaye de borner en amont dans notre référentiel, dans notre certificat. C'est d'essayer de faire véritablement une place à tout ce qui va être production fermière, artisanale, et éviter, par contre, on bannit complètement les systèmes ultra intensifs, quoi, en fait. Voilà. Après, c'est des choses qui se règlent beaucoup au niveau de l'humain, faute de chiffres, dans des commissions entre producteurs. Il y a aussi on se rend compte aussi qu'il y a des outils de production qui sont tout simplement pas faits pour aller vers la restauration collective. Voilà. C'est pas grave. Mais par exemple, quand on a des unités de production en yaourt, notamment qui sortent du yaourt à 40 centimes, 50 centimes, alors que, alors dans un tout autre registre, hein, mais les yaourts industriels non bio, ça sera à 7 ou 8 centimes. Du yaourt industriel bio, style lait de vache ou des choses comme ça, ça sera à 19 centimes. Voilà, il y a des gars à 50 centimes le yaourt, ils ne sont pas faits pour aller sur ce créneau-là. Ou alors, on le propose, mais sachant que ça sera de type occasionnel. Ça sera dans une autre perspective. Mais si on veut rentrer sur des marchés publics, si on veut être concurrentiel, nous on est des acteurs économiques, hein, et on se frotte à des gens qui ont des reins solides. Il faut qu'on puisse rentrer, par exemple, avec des yaourts entre 25 et 30 centimes. Et c'est rentrer et pouvoir rester. Parce qu'on a des agriculteurs, des producteurs qui sont rentrés avec du yaourt à 35 centimes. La collectivité a dit c'est super, ils sont super bons. Le mec, il a investi, il a monté sa chaîne. 2 ans après, ils lui ont dit on va travailler avec les 2 vaches de chez Danone. Le mec, il a failli se tuer, quoi. Donc voilà. on jongle avec tout ça, quoi. Merci pour ces interventions très riches. Là. En fait, j'avais 2 questions. La première, c'est sur le modèle de l'acteur intermédiaire. Justement, je trouve que c'est intéressant. On voit bien dans la comparaison entre pays. Ce qui m'interroge, moi, c'est un peu je vois bien ce rôle d'intérêt général, par exemple, porté par une collectivité. Mais après, j'ai plus de mal quand j'entends, par exemple,
on est une plateforme de services publics où on ne met pas en concurrence, par exemple. J'ai plus de mal, parce que malgré tout, à la fin, il y a une information économique qui est mise sur une plateforme. Et en face, il y a des acteurs privés qui répondent à un marché. Donc il y a quand même une forme de mise en concurrence. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur comment vous définissez ce service d'intermédiaire qui n'est pas de la mise en concurrence. J'ai du mal avec cette notion-là de non-mise en concurrence, quoi. Et surtout, finalement, quel est le rôle complémentaire des organisations, par exemple, plutôt privées de type plateforme et plutôt publiques de type, je dirais, plateforme d'information, puisque du coup, c'est deux types de plateformes qui ont l'air complémentaires. Et la deuxième question, c'est vraiment ce qui m'a interpellé aussi dans ce que vous proposiez, Rosalia, là, c'est la notion de food shed, c'est-à-dire où j'ai plus l'impression que c'est une notion d'approche économique en fait par le distributeur qui a des bassins de livraison par exemple. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est plutôt, si on reprend la parabole écologique, c'est-à-dire ça serait plutôt le bassin versant de type watershed, quoi, c'est-à-dire c'est plutôt quelque chose qui est, en fait il y a une certaine logique un petit peu économique et écologique à dire, par exemple, on va distribuer dans la même vallée parce qu'il y a des facilités de distribution, de passage de colle, etc. J'ai du mal à comprendre finalement ce concept de food shed tel qu'il est utilisé là, en tout cas. Merci. Alors, je vais peut-être répondre pour la première question, en tout cas. Quand j'ai parlé qu'on n'était pas en concurrence avec les grossistes, ce que je voulais expliquer, c'est que la plateforme AgriLocal, c'est un marché public dématérialisé. Donc, effectivement, le marché met en concurrence, bien sûr, oui. Les grossistes sont en concurrence avec les agriculteurs, ça, bien sûr. Ce que je veux dire, contrairement aux plateformes physiques, par exemple, on n'est pas là pour favoriser un fournisseur ou pas. On essaye d'apporter à l'acheteur une facilité de démarches administratives, en fait. Voilà. Après, effectivement, tout comme l'expliquait aussi mon compère des Hautes-Alpes, il y a aussi une animation, bien sûr, territoriale qui est faite derrière. Alors, au département, donc moi, je m'occupe plutôt de la partie acheteur. Je les aide à essayer de démêler, entre guillemets, leurs besoins et de les faire passer sur la plateforme AgriLocal pour les produits qu'ils vont forcément trouver en local. Et derrière, il y a aussi le travail de la Chambre d'agriculture, que je n'ai pas forcément souligné, mais que j'aimerais mettre à l'honneur, qui travaille, lui, avec les fournisseurs, donc avec les agriculteurs, justement, pour étudier les prix, par exemple, à quel prix ils peuvent proposer ces productions sur la restauration collective. Il y a tout un accompagnement derrière qui est fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez poser la question encore? Parce qu'en fait, je n'ai... Oui, les concepts... Ok, non. Come on. En fait, c'était juste sur la précision sur ce concept de food shed tel que vous l'utilisez là. C'est-à-dire, okay. Pour moi, une difficulté à voir la différence entre, on va dire, logique de livraison pour un opérateur économique de distribution. J'ai mes tournées de livraison, par exemple. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est plutôt une notion, comme j'ai pu voir dans la littérature, qui est plutôt un peu attachée au bassin versant, ouais. Et du coup, il y a une certaine logique de par exemple, écologique, ou en tout cas d'économie circulaire, ou de choses comme ça. Oui, bien sûr. En fait, les concepts de food shed, c'est un concept que dans la littérature est né comme... je ne sais pas en français, parallèlement au concept de watershed. En fait, l'idée, c'était utilisé il y a 100 années presque, c'était utilisé pour, dans les contextes des villes, où la question des recherches, c'était de comprendre quel est le flux. De l'alimentation. Ça veut dire comprendre quoi je mange et ça vient où ce que je mange et quelles sont toutes les étapes qu'il y a, non? Les flux, ok? Et ça a soit un, comment dire, une,
un niveau économique, parce que dans le cas de la food shed, on doit construire la filière, mais aussi au niveau écologique, parce que en fait, la question qui s'est posée, et qui on se pose en fait, c'est ok, soit une durabilité environnementale pour dire ok, si c'est plus proche, c'est plus durable parce qu'il y a moins de émissions, etc. Mais soit une écologisation parce qu'en fait, on va choisir des produits qui sont produits dans un espace avec aussi des pratiques agricoles spécifiques. On va, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de comprendre toute l'écologie de la production, soit dans l'espace de production, soit l'écologie du flou quand il arrive chez nous. Est-ce que c'est plus clair? Il y a les deux, en fait, dans les concepts de food shed. Et j'espère d'être plus clair. Merci. Bon, merci à tous pour la présentation. Léonie Tinojosa, de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. J'ai une question plus ou moins ouverte à vous tous. Et c'est sur la politique. Mais politique, bon, en français, il n'y a qu'un mot. Politique dans le sens de politics, pas seulement la politique au sens normatif. Parce que vous tous, à la fin, vous avez dit, enfin, monsieur de Mongevio, que bon, à la fin, ce sont les politiques, les changements du gouvernement qui à la fin décident si c'est plus de bio ou moins de bio. Les messieurs qui sont plutôt du côté gouvernement, qui essaient de contourner un peu et de favoriser l'agriculture de proximité, et sachant que la régulation au niveau de, que ce soit de l'Europe ou au sens plus large, au niveau global, est assez rigide pour ne pas permettre ce type de favorisation et favoriser plutôt la concurrence parce que, dans le sens économique, ça favorise les consommateurs. Et après, dans les stratégies que vous savez chacun, j'entends surtout des arguments plus, disons, économiques. Non? Comment faire que l'agriculteur puisse réduire les coûts des informations, des transactions, et donc, bon, voilà, les services du gouvernement, ou au niveau de bio, comment faire que les coûts soient assez raisonnables pour avoir un prix qui soit compétitif et tout ça. Alors, je me demande si une grande partie du diagnostic de pourquoi ce type d'agriculture est de style de vie, finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas vraiment cette partie des politiques, politics? Donc, qu'est-ce que vous, à partir du secteur privé, disons, manger bio, qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement français ou à l'Europe à faire, à changer, de façon que ce type de restrictions soient enlevées, ou du côté gouvernemental, comment est-ce que on peut élargir le pouvoir politique des consommateurs en donnant par exemple aux parents la capacité de dire quelle sorte de nourriture l'enfant doit manger. Bon, voilà. Déjà, c'est vrai que nous, moi j'ai peut-être un discours un peu dissonant par rapport aux autres, puisqu'on est un acteur économique, mais aussi un acteur politique. En tout cas, on se vit comme ça, dans le sens de politics, de comment vous l'employez. À savoir que l'intérêt général, ce n'est pas que l'apanage des collectivités publiques, et qu'il y a aussi des citoyens qui s'en emparent.
Donc ça paraît légitime. À un moment donné, on n'est pas obligé tout le temps de confier sa responsabilité à quelque chose, une entité supérieure. Qu'est-ce qu'on demanderait au gouvernement ou aux collectivités qui sont en face, si ce n'est de l'engagement ? Aujourd'hui, alors je fais une généralité, on va dire. Mais aujourd'hui, en politique, il y a beaucoup de communication et peu d'engagement quand même. Sous prétexte, alors une fois, de neutralité, à un moment donné, on va favoriser tout et son contraire. Et à un moment donné, quand même, la politique, c'est choisir et décider, quoi, en fonction de l'intérêt général. Mais il y a un moment donné, le glyphosate, les pesticides, tout le bordel, là, il faut arrêter. Par exemple, il faut prendre des décisions, à un moment donné. On ne peut pas dire, on ne sait pas, on ne peut pas dire, il y a des études qui, on ne peut pas dire, à un moment donné, il faut décider, il faut trancher. Voilà. Ce qu'on serait en droit de demander aux collectivités, c'est qu'elles s'engagent résolument dans l'intérêt général de la population, de tous, et sur le long terme. Sur le code des marchés publics, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à revoir. Je pense que c'est... je suis juriste moi-même de formation. Et le code des marchés publics, c'est à un moment donné quelque chose qui essaye d'éviter des dérives. Justement du favoritisme, de faire passer des intérêts privés avant de l'intérêt général et de mettre en place des critères objectifs de sélection. Alors voilà, sauf que des fois, les critères objectifs de sélection, c'est un peu raide. Mais on apprend à faire avec ou à les contourner. Et à la ville de Rome, il y a des années de ça, qui avait mis en place des marchés publics. Et les Italiens savent bien faire ce genre de truc. Ils savent très bien que c'est pas parce que c'est pas légal que c'est illégal. C'est pas interdit, donc on peut faire quoi. Et enfin, on appelle ça en droit le halo juridique. C'est-à-dire il y a la règle et puis il y a un peu autour. Et on peut arriver à faire des choses. Et du coup, ce qui est intéressant pour la collectivité, nous, ce qu'on lui demande, c'est de s'engager sur le long terme et de s'engager sur des rythmes agricoles. Aujourd'hui, une collectivité qui s'engage sur des marchés sur un an, deux ans, trois ans, c'est nul. Ça veut dire que derrière, il faut pouvoir, chaque fois, on remet en cause des filières, quoi, en fait. On remet en cause des outils de production. Donc s'engager sur le long terme avec des objectifs véritablement d'intérêt général, arrêter de ménager la chèvre et le chou, quoi. À un moment donné, on est déjà dans le mur, quoi. Je veux dire, au niveau climatique, au niveau des urgences, on est déjà dans le mur. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions, quoi. Moi, je pense que dans ce genre de projet, l'initiative, la volonté politique, elle est primordiale pour démarrer une action. Mais elle n'est pas essentielle. Enfin, les politiques ne sont pas seules. Ensuite, il faut rendre ça opérationnel sur les territoires. Il faut ensuite qu'on ait des cuisines centrales comme Avignon, avec des hommes comme Hugues Fortuna, son équipe en cuisine, qui sont là pour les relayer sur le territoire. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous. Au niveau politique, on a beaucoup de communication, sauf qu'on reste à budget constant. Et c'est une contrainte sur laquelle on doit travailler. La volonté politique aussi, elle se traduit, vous l'avez évoqué, sur les marchés publics. Et les marchés publics, ça peut être structurant. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une collectivité qui est celle qui m'a engagé. Donc moi, je suis financé par la région Sud et le département. Je suis salarié du département des Alpes-de-Haute-Provence. La collectivité s'est engagée pour pousser la ficelle du développement local sur la filière bovine. Ils ont passé un marché public d'achat de bêtes sur pied. C'est-à-dire que la collectivité, là, on a un engagement sur 4 ans. Achat de bêtes sur pied, c'est-à-dire qu'on a une cuisine centrale qui fait 3500 repas, qui achète les bêtes dans les champs, qui les fait abattre à l'abattoir de Digne, et qui avec tout un calendrier prévisionnel sur son année scolaire. Là, on est sur de l'engagement, effectivement, de tout ce qu'il y a de plus pratique. Mais c'est un tout, parce qu'ensuite, cet engagement politique, il faut le rendre opérationnel sur le territoire. Il faut le rendre opérationnel en cuisine. Il y a pas mal de contraintes. Hein. Tout à l'heure, je discutais avec un responsable de production en cuisine. Les équipes en cuisine travaillent en flux tendu. Il leur manque une personne en cuisine. Toutes les bonnes intentions au niveau politique, elles sont finies.
Donc c'est vraiment un écosystème complet qu'il faut arriver à créer avec un accompagnement derrière. Et c'est là où je disais que la collectivité sur l'accompagnement, elle est importante aussi. Je suis d'accord avec vous, hein, la collectivité, l'intérêt général sur les territoires, c'était, je voulais dire ça par rapport à des intérêts privés, commerciaux, économiques, parce que derrière, il y a de l'argent, il y a de la dimension économique qui est en jeu. Mais les citoyens, bien sûr, c'est évident, s'emparent également de ce sujet, mais aussi avec les collectivités. La restauration scolaire, c'est de la compétence pour les lycées de la région, pour les collèges du département, les écoles primaires, les communes, etc. quoi. Donc c'est bien de se lécher en écosystème avec un accompagnement pour lever un certain nombre de contraintes. Moi je suis d'accord avec ce que vous indiquez sur les marchés publics tels qu'ils sont rédigés actuellement. Alors il faut se creuser la tête, il faut prendre le temps nécessaire, et ça a été évoqué dans la journée, très souvent les services de marché n'ont pas le temps, ils ont l'habitude d'autoroutes toutes tracées. Mais à l'intérieur du code des marchés publics, il y a un certain nombre de leviers d'action, tout en restant dans le cadre, dans la philosophie du code des marchés publics, il y a tout un des tas d'éléments de levier qui permettent effectivement de faire en sorte qu'on retrouve des produits de proximité. Sur la maîtrise de coûts matières au niveau budgétaire également, il y a tout un accompagnement amené au niveau des chefs de cuisine. On parlait de la viande. Nous, on est sûr, et c'est un engagement politique, ça aussi, au niveau du département, c'est clairement affiché chez nous. On est beaucoup plus en train de se dire moins de viande, mais mieux de viande. Donc nous, on est sur des systèmes d'élevage de qualité. En élevage de montagne, les bêtes, elles sont 6 mois en pâture. Elles sont nourries par la production des exploitations. Les exploitations sont en autonomie alimentaire quasiment à 80 à 90%. Donc on se dit, vaut mieux qu'il y ait dans les assiettes des convives une viande de qualité. Pour maîtriser le coût matière, on peut réduire les grammages aussi. Mais tout ça, c'est de la politique. Tout ça, c'est de la politique, et c'est des choix politiques. On se dit ensuite, on l'équilibre avec des protéines végétales. Alors il y a là un travail monstrueux à faire, parce qu'il y a un travail de formation. C'est pour ça que je vous parlais d'écosystème. La volonté politique, elle est importante, mais il y a tellement de changements de pratiques à mettre en place. Faire travailler de la protéine végétale avec un chef de cuisine. Soit on a des chefs de cuisine qui ne sont pas formés, il y en a certains qui ne connaissent pas certaines petites épeautres. Nous, on a introduit du petit épeautre en restauration scolaire. Il y avait certains chefs de cuisine qui ne savaient pas le travailler. Mais derrière, ça veut dire de l'accompagnement en formation. C'est de la volonté politique, ça aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut parler, la volonté politique est importante, mais ensuite, il y a un changement de pratique tel à tous les niveaux. Alors, au niveau production agricole, aller vers des systèmes plus respectueux. Mais là aussi, je ne veux pas mettre en opposition bio et non bio. Nous, sur nos territoires, on ne peut pas aller sur ce type de raisonnement. Le collectif d'éleveurs avec lesquels on travaille, c'est des gens qui sont en élevage de montagne. Ils ne sont pas très loin du bio, hormis sur la prophylaxie. Ils travaillent avec un éleveur bio. Donc on essaie de travailler sur une agriculture qui est plurielle sur le territoire, mais effectivement dans la transparence. On ne veut pas faire n'importe quoi non plus. Et tout ça, c'est politique.